émission de Flash Chrétien. Petit guide pour les questions pratiques de la foi catholique. Flash Chrétien numéro 2. Y a-t-il d'autres raisons qui sous-tendent le refus de la confession par téléphone? La réponse est oui. Autre raison du refus de confesser par téléphone est liée au secret confessionnel. Ici, nous nous limiterons sur l'aspect canonique de la question. En effet, le code de droit canonique est très clair quant à l'inviolabilité du secret confessionnel. Le secret sacramentel est inviolable, c'est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent par des paroles ou d'une autre manière et pour quelque cause que ce soit. Confère Code du droit canonique numéro 983, paragraphe 1. Eh bien, la confession doit être à la fois individuelle, secrète, auriculaire, concise et complète, car la confession est une rencontre et un événement. Aussi, le prêtre dénonciateur du secret de la confession ou le prêtre qui viole le secret de la confession encourt la peine d'excommunication. Pour finir, le catéchisme de l'Église catholique précise en ces termes, en effet, que le secret de la confession est absolu et n'admet pas déception. Aussi, le secret du sacrement de réconciliation est-il sacré et ne peut être trahi sous aucun prétexte. Merci au Père Samuel Ativi de l'archidiocèse de Lomé pour sa réponse à ce numéro de Flash Chrétien. Qu'en est-il des autres sacrements de l'Église? La réponse nous sera donnée dans les prochains jours dans le Flash Chrétien.